Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Soban. De ce fait, de tous abonnés, abonnez-vous massivement parce que le témoin puissant commence maintenant. Même la prochaine vidéo du type témoin puissant apparaîtra juste en dessous de Soban sur l'écran. Vous aurez juste à cliquer là sur la vidéo pour y avoir accès. Ça veut dire que ce sera la vidéo, pour la vidéo suivante qui sera juste là, ici. Mais ce que nous allons entendre ici, mes frères et sœurs, ça va même vous étonner. Même vous étonner qu'étonner. Une personne qui a été initiée dès son enfance dans l'occultisme va après entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et ce jour-là, quelque chose d'étrange va se produire dans sa vie. Et c'est ce qu'il va nous raconter ici. Mais avant d'arriver jusqu'à là, il va nous expliquer ce qu'il a vu, qui sont même en relation avec ce qui se trouve même à l'écran. Regardez, regardez ça, mes frères et sœurs. Le monde fait peur. Nous sommes dans un monde terrifiant. Et dans ce monde, il y a tant de choses qui se produisent. Et les humains ne s'imaginent même pas qu'il y a une guerre spirituelle qui est là. Et que chaque jour, des milliers d'âmes tombent en enfer. Parce que ces âmes n'ont pas connu le vrai chemin, le bon chemin. Regardez comment les jeunes se comportent aujourd'hui. La violence passée par là. Les gens font tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Regardez comme nos jeunes filles s'habillent. Elles s'habillent toutes de façon sexy. Or, même le diable dit que toute fille qui s'habille de façon sexy est nue et toute fille de cette dimension l'appartient déjà. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que Dieu était de rigoler avec certaines choses? Mais frères et sœurs, si vous pensez que c'est de la blague, cette vidéo va vous convaincre le contraire, va vous dire le contraire. Et ici, nous aurons la possibilité d'entendre la voix des cris, c'est-à-dire les cris des milliers d'âmes qui tombent en enfer. Et ça, c'est juste un aperçu. Mes frères et sœurs, ça fait peur. Je prie tous les jours que Dieu veille sur moi-même qui vous parle, afin que moi aussi puisse aller au paradis. L'enfer, ce n'est pas un lieu pour les humains. Nous ne voulons pas que vous alliez à l'enfer. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire, réveillez-vous maintenant pendant qu'il est temps. Même s'il faut abandonner toutes vos copines, même s'il faut abandonner votre amour pour le sexe pour aller au paradis, c'est le moment de le faire. Parce que ceux qui sont en enfer, même ceux qui sont morts, ils n'ont plus besoin de sexe. Ceux qui sont morts n'ont plus besoin d'alcool. Ils n'ont plus besoin de regarder un match de football ou n'ont plus besoin de violer une fille. Tout ce qu'ils recherchent, c'est la solution. La solution à leurs problèmes. Et leurs problèmes, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes sérieux. Et c'est ça. Ça s'apparente à des gens qui se trouvent dans le feu. Et ce sont des âmes. Vous savez que quand les humains sont sur la terre, eux, ils se sentent à l'aise. Et quand ils s'endorment et qu'ils ont des songes, ils voient des rêves bizarres, ils disent que oh, ce sont des cauchemars. Ça, c'est quand nous sommes sur la terre. Mais quand nous mourons, notre âme sort de notre corps. Notre âme sort de notre corps. Et là, ce côté immatériel, se met maintenant à réfléchir et même pense au temps où il était sur la terre. Et pour lui, le temps où il était sur la terre, c'était une période où il se trouvait donc maintenant un rêve. C'est-à-dire que ceux qui sont morts, ils pensent que quand ils vivaient, ils étaient en train de rêver. Ça veut dire que la vie de l'homme sur la terre est tellement courte que ça s'apparente également à un rêve, à une histoire très passée. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de vivre jour pour jour sur la terre, à un moment donné, quand on ne sera plus ce monde, ça sera comme une histoire très révolue. Mais une histoire qui va nous être, qui va déterminer là où on va aller après la mort. Regardez où ce gars est jeté. Va-t-il aller au paradis ou à l'enfer? Mes frères et sœurs, si c'est au paradis, on ne va pas l'accueillir de la sorte. Ça, c'est directement dans le feu. Mes frères et sœurs, ce témoignage est un témoignage trop compliqué. Nous avons besoin même de prier pour que Dieu nous aide. Alors, fermons donc les yeux et prions ensemble. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, les yeux fermés. Seigneur Jésus-Christ,
S'il te plaît, viens et délivre-nous. Viens et guide-nous. Tout au long de ce témoignage puissant. Nous savons tous que Seigneur se répond à la témoignage puissant. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la rigolade. Et toi, tu veux nous parler. S'il te plaît, Seigneur, viens et permets que nous puissions comprendre une bonne fois pour toutes que tu es Seigneur, c'est toi qui peux nous délivrer de ce feu-là. Nous ne voulons pas aller à l'enfer, ni voir les gens en enfer. C'est pourquoi nous permettons que cette vidéo soit en ligne. Et c'est toi qui nous donne la force de le faire. Si tu es personnel, notre Dieu, prends le contrôle de tout. Et guide-nous. S'il te plaît, ôte cette coupe de devant notre face, de devant ma face, de devant la face de chaque abonné et leur famille. Qu'ils reviennent sur le bon chemin. Ils abandonnent le monde et ce chose de ce monde. Qu'ils apprennent à faire le bien et fuient le mal. Pardonne nos péchés. Pardonne-nous, pardonne à toutes les criminels. Pardonne à tous les abonnés. Pardonne les péchés à tous ceux qui nous suivent. Nous avons besoin de ta force. Que tous ceux qui ont faibli dans la prière puissent monter dans la puissance de la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour le contour de tout. Et que toi-même, tu nous orientes toujours. Tout droit vers ta maison, le ciel, à jamais. Amen. Mes frères et sœurs, ce que nous allons entendre ici, ce n'est pas de la base, ce n'est pas de la frime. Vous devez partager cette vidéo. Vous devez même, là où vous êtes assis, écoutez, appeler quelqu'un à côté de vous. Dites à cette personne, je t'aime beaucoup, viens regarder ça. Parce que ce que nous allons entendre maintenant, ce n'est pas du jeu. Après avoir servi le diable et fait tant de sacrifices pour lui, il va maintenant entendre la voix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutons-le. J'avais un contrôle avec la principauté qui contrôle Haïti. Son nom est Cambero. J'avais un contrôle avec les démons de Miami, avec les démons d'Afrique. J'avais aussi des contrôles avec les démons ici à New York, la principauté qui contrôle Times Square ici à la 42e rue. La principauté qui contrôle Times Square à la 42e rue n'est pas la même que celle qui essaie de contrôler ce quartier. Je n'avais aucune conscience. Je me rappelle avoir fait de la sorcellerie sur mon frère et l'avoir mis en prison pendant 5 ans. Mon propre frère, ma chair, mon sang, j'ai fait de la sorcellerie pour le mettre en prison pour 5 ans. Là, sa confession a commencé et il nous raconte tout sur ce qu'il a fait, même sur son propre frère. Mon autre frère qui était aussi sorcier est venu chez moi, une fois en colère, et un démon l'a assailli. Il a couru hors de la maison car il ne supportait pas la douleur à son estomac, et ma mère ne pouvait supporter ça. J'ai fait tellement de rituels sur mon corps. Le dernier rituel que j'ai fait, non seulement j'avais vendu mon âme au diable, mais j'ai fait une cérémonie où je devais boire du sang animal avec de la poudre, ça s'appelle Sansi. C'était une cérémonie d'haïtiens et de français. Vous faites cette cérémonie avec un démon et quand je vais chez les gens pour manger, ils ne peuvent pas faire de la sorcellerie sur la nourriture. Je fais toutes ces cérémonies que vous pouvez imaginer. J'allais dans les églises sataniques. Et chaque année, nous avions une réunion secrète. Tous les sorciers et sorcières venaient à cette réunion pour décider quelle principauté serait invoquée pour contrôler la région. Nous étions mieux organisés que l'église. Il dit que eux, les satanistes, eux, les sorciers, ils étaient mieux organisés que l'Église, et c'est la vérité, mes frères et sœurs, c'est pas de la blague, c'est la vérité. Le royaume des ténèbres était mieux organisé que l'Église de Jésus-Christ. Nous savions faire les cérémonies et préparer les choses pour l'année prochaine, avant que l'année en cours ne soit finie, pendant que les chrétiens ne peuvent pas venir à l'Église et prier pendant une heure, pendant que les chrétiens ne peuvent pas avoir une relation continue avec Dieu. J'avais pris une année sabbatique et la sorcellerie et le diable m'a puni et m'a rendu aveugle pendant un an. J'ai été complètement aveugle pendant un an. J'étais enregistré à l'association pour les aveugles, j'étais totalement aveugle. J'ai été entraîné à utiliser un chien guide. J'ai été entraîné à utiliser un de ces bâtons que vous utilisez pour marcher dans la rue. Ma mère avait pris soin de moi pendant un an. Ma vision est devenue noire et un brouillard gris est venu dans mes yeux. J'étais aveugle.
Et quand j'ai redonné ma vie au diable, après cette opération chirurgicale, le diable m'a redonné la vue. Et je pouvais voir de nouveau. Ça a été ma punition pour avoir pris une année de repos. Le diable m'a dit, tu veux une année de repos? Je t'en donne une. Et il m'a pris ma vue. C'est le monde dans lequel je vivais. Si vous obéissez pas, il vous tuait. Il y avait une reine de terreur afin que vous ne quittiez pas cette religion. Vous ne pouvez pas quitter Santeria. Les docteurs ne pouvaient pas expliquer comment j'avais perdu la vue. Et pendant ce temps, quand le chrétien agissait mal et qu'il pêche, la seule chose qu'il vous trouvait en rentrant, c'est juste, c'est la grâce et le pardon. Quand tu signes avec le diable et que tu fais quelque chose qu'il n'aime pas, il tue un membre de ta famille. Je me rappelle le diable avertissant cette femme en disant, tu ne peux plus rester avec cette personne, mais elle n'y avait pas fait attention car elle était devenue amoureuse. Un démon a possédé dans la rue, il a pris un marteau, lui a frappé 17 fois sur la tête et l'a tué. Un jour, j'étais assis chez moi. C'était incroyable. J'avais été à la boîte de nuit la nuit précédente. J'étais assis et regardais une émission stupide à la télévision, Jerry Springer Show. Les gens se frappent et s'insultent. Je prenais plaisir à ça, je rigolais. Pour la première fois, j'ai entendu une voix disant, « Fils, j'arrive bientôt. Que vas-tu faire avec ta vie ?» Une voix audible qui avait traversé la pièce. Et j'ai pensé que c'était la télé qui parlait. Et j'ai vu ensuite que ça ne pouvait pas venir de la télé, ces gens se tapaient les uns sur les autres. Je connaissais la voix du diable, je lui parlais comme je vous parle aujourd'hui. Il prenait une forme humaine et entrait dans la pièce parfois. Sa présence entrait dans la pièce et l'atmosphère changeait. Et je savais alors qu'il était là avec moi, qu'il parlait avec moi, je lui répondais et nous parlions toute la nuit. Je connaissais ça, je connaissais comme vous connaissez l'arrière de votre tête. Je connaissais tous les démons, toutes les principautés qui contrôlent tout en Amérique, au Canada. Toutes les principautés qui contrôlent l'occulte, le Wicca, la sorcellerie, le New Age, le bouddhisme, l'islam, la santeria, le spiritualisme. Je connaissais toutes ces principautés, j'avais un contrat avec elles. J'avais des accès directs avec toutes les principautés, les démons sur la terre, le diable, Jézabel. Je connaissais des démons dont je ne vous dirai même pas le nom, car vous ne sauriez pas qui ils sont. Je les connaissais tous par leur nom. Mais cette voix était très différente des autres voix. Quand j'ai entendu cette voix venant de nulle part, elle venait de l'air. J'ai été choqué, alors j'ai vu une vision de l'autre côté de l'appartement. Le ciel était en feu et je voyais les gens courir en dessous cherchant un abri, mais il n'y en avait pas. Et alors j'ai pensé même pourquoi est-ce que... J'étais complètement choqué. Je me rappelle avoir été dormir, je suis tombé dans un profond sommeil, comme s'il m'y avait mis un voile et je me retrouve dans un train plein de gens. Je n'arrive pas à croire où j'étais. C'était un train. Je ne pouvais pas imaginer comme ce train allait vite. Il n'existe rien d'aussi rapide sur Terre. Et il allait en enfer. Jésus-Christ m'a emmené en enfer. Là, le Seigneur Jésus-Christ l'a emmené directement en enfer. Maintenant, que va-t-il voir? Que va-t-il entendre là-bas? Écoutez très bien. Et quand je suis arrivé en enfer, les portes se sont ouvertes. Les portes se sont ouvertes avec un écho indescriptible. De la chaleur est venue de nulle part. Je sentais que j'allais suffoquer à cause de la chaleur et je suis sorti du train. Les gens dans le train n'avaient pas de visage, mais on pouvait voir la peur sur les gens. On pouvait sentir l'impact de la peur dans le train, qui allait dans un endroit où il ne reviendrait jamais. Et l'endroit était confiné. Et je me suis dit, je ne peux pas mourir ici, je ne peux pas. Et il dit qu'il voyait des gens de l'étrier qui allaient dans un endroit. Et il savait qu'ils n'allaient plus jamais revenir. Et ceux qui sont morts, effectivement, ne reviennent pas à la vie facilement. Ce n'est pas pour moi, je ne suis pas né pour être à cet endroit, je me disais ça. Alors j'essayais de trouver un tunnel en enfer. Je cours alors dans un tunnel pour essayer de trouver une porte. Peut-être une fenêtre, peut-être qu'il y avait un passage quelque part par lequel je pouvais m'échapper et retourner à la réalité, mais il n'y avait rien. Je me rappelle que plus je m'enfonçais dans les tunnels, plus la peur m'envahissait. J'entendais des souffrances, les ténèbres vous encerclent avec cette peur qui vous envahit. Et cette peur, c'est quelque chose que vous ne pouvez même pas contrôler. Vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui vous étreint et qui ne vous laisse plus partir. Je ne pouvais pas avoir ma main. Et j'entendais des hurlements, comme vous savez, des hurlements d'enfants et d'animaux en même temps, le genre de hurlement qui est indescriptible. Il y avait une chaleur et une odeur comme des égouts de New York.
Et je veux dire pire que ça. Alors que j'étais dans le tunnel, le diable est apparu. Il disait, j'étais ton père. Il me parlait en langue démoniaque. J'étais ton père, je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin. Je me suis occupé de toi, je t'ai béni, je t'ai protégé. J'ai tué des gens pour toi, je t'ai donné des pouvoirs, un nom dans le royaume des ténèbres. Quand les gens en avaient après toi, je les détruisais car je savais que tu allais être le vaisseau que j'allais utiliser pour faire avancer mon royaume sur terre. Et maintenant, tu veux me quitter? Tu veux me trahir? En langue démoniaque, et je lui répondais en langue démoniaque. Non, je te quitte, je suis confus, je ne sais pas ce qui se passe. Il m'a répondu, non, je sais que tu vas me quitter et exposer ma religion, tu vas exposer et je suis comme j'opère, et tu vas dire comment j'opère dans le monde. Parce que j'ai enseigné des tas de choses que j'ai enseigné à personne. Je t'ai fait confiance avec les choses que tu devais savoir afin de faire avancer mon royaume, car je voulais t'utiliser d'une puissance manière. Et dans la confusion, il est venu m'attraper pour me détruire. Et la croix de Jésus-Christ est apparue. Je ne comprends pas comment une croix d'un mètre était apparue en enfer, alors que je portais un short bleu. J'ai alors mis sur lui, et quand je l'ai mise, il s'est effondré comme un enfant. Comme un enfant, il s'est effondré au sol, comme s'il n'avait aucun pouvoir. J'ai alors saisi cette opportunité pour courir plus profondément, dans le tunnel de l'enfer, en espérant qu'il y ait une autre porte. J'avais mon espoir. J'avais de l'espoir et aucun espoir à la fois. Il n'y avait pas de place pour dire je sors d'ici, c'est la fin. J'avais cette peur qui me saisissait indescriptible. J'avais jamais ressenti une telle peur, un tel désespoir. C'était l'opposé de ce qu'était le paradis. L'opposé de la joie, l'opposé de la félicité, l'opposé de la paix, les ténèbres et la lumière. C'était un endroit de tourment, un endroit de... Si je suis là, ma famille ne le saura pas, ma fille ne le saura pas. Comment pourrait-il me trouver? Comment pourrait-il me chercher? Donc alors que j'avançais plus profondément dans le tunnel de l'enfer, une fenêtre, une issue quelque part, que je puisse m'enfuir, le diable est apparu de nouveau en disant « Maintenant, nous allons te détruire ». Alors je lui réponds en langue démoniaque « J'ai ces marques, ces contrats qui me protègent et je vais te détruire ». Il m'a répondu « Espèce de fou, je t'ai donné ces marques, avec ces marques je te possède ». Je te possède, personne ne te possède sinon moi. Tu vas vivre pour moi ou mourir. Et il est venu pour m'attraper une seconde fois. Je me suis dit, c'est fini. Alors la croix de Jésus est apparue en enfer. Il n'y a pas de plus grand amour que la croix qui apparaît pour un pécheur comme moi en enfer. Quand David dit « Je repose dans le séjour des morts », il sait que je suis ici. La grâce et la miséricorde sont apparues en enfer. La grâce et la miséricorde connaissaient mon adresse. La grâce et la miséricorde avaient un plan pour ma vie. Avec mes inqualifiables façons de vivre démoniaques, égoïstes et arrogantes, j'étais en enfer. Alors que mon sort était réglé, Jésus-Christ m'a aimé. Il a dit, j'ai un plan pour toi, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Et il est arrivé en enfer quand je me suis réveillé et que mon esprit est revenu dans mon corps. Je me suis levé, je me suis mis à genoux devant Jésus-Christ. J'avais pour 100 000 dollars de matériel de sorcellerie à la maison et j'ai tout jeté. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un lien avec le monde des ténèbres. Mon ancien compagnon d'Haïti, de Cuba, de Miami et de New York voulait me tuer car j'en en savais trop. Nous devons le détruire, le tuer car il en sait trop et il n'est plus des nôtres. Et ils sont venus pour me tuer, ils l'ont fait de leur mieux. Je dormais durant la journée pour rester éveillé la nuit quand les démons sont venus me tourmenter pendant 30 jours. Ils m'ont tourmenté pendant 30 jours. Ils me prenaient par la gorge, me sortaient hors du lit, la pièce devenait froide. J'étais allongé dans mon lit et je sentais une autre personne allongée à côté de moi, froide. Je regardais comme ça, je pouvais sentir la présence, c'était le diable, personne dans mon lit. Pendant 30 jours, sans répit, à me tourmenter, à essayer d'arracher mon âme de mon corps. À essayer d'arracher mon esprit de mon corps, je tremblais la nuit comme jamais auparavant. Je criais, je ne savais pas comment prier, alors je disais « Jésus, Jésus, Jésus !» Je disais des prières d'une sœur que j'avais entendue à l'église, je l'avais entendue prier ainsi. J'essayais d'assembler ces prières ensemble comme un puzzle afin de combattre pour ma vie.
Et un jour, j'étais à l'église en train d'adorer et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi laisses-tu tout ça m'arriver? Et un jour, Dieu m'a dit, je voulais voir combien tu m'aimes. Je voulais voir combien tu me fais confiance. Et jamais plus je n'étais tourmenté par le diable. Je suis devenu un évangéliste pour Jésus-Christ. 14 ans à servir le Seigneur et je ne les changerai pour rien au monde. Sur le boulevard Alléluia, il y a un manoir pour John Ramirez. Et un jour, on dira bienvenue à la maison, bien fait, fidèle serviteur. Et je vous dis, il n'y a rien. Je ne parle pas de chrétienté, je parle d'une relation avec Jésus-Christ. Il est mon Seigneur, il est mon début et ma fin. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je mourrai quand Jésus dira que je rentre à la maison, pas à cause d'un sorcier, pas à cause d'une personne, pas à cause du vaudou, d'une incantation, d'un sort. Rien de tout ça ne peut me séparer de l'amour de Dieu. 100 000 $ de sorcellerie, avoir vendu mon âme, des marques ici, mais la plus grande marque est ici, c'est l'amour que j'ai pour la croix. Il n'y a rien comme la croix de Jésus-Christ. Et je vous dis ça, je vais terminer avec ça. J'étais maudit et je suis devenu béni parce que celui qui était béni est devenu maudit pour moi. Et j'ai changé de père et mon père domine sur l'univers. Il m'a aimé plus que je ne pouvais l'imaginer et cet amour, je peux maintenant le donner à ma fille. Ma fille aujourd'hui est une chrétienne née de nouveau, diplômée d'université, en master de psychologie, et je sais que Dieu va l'utiliser d'une grande manière, grâce à la torche que je vais lui transmettre la bonne cette fois-ci. Et je sais qu'elle fera de plus grandes choses que son père, et avant que je ne quitte la terre, les gens sauront que John Ramirez était là, car il était serviteur de Dieu puissant. Amen. Il était serviteur du diable avant, mais maintenant Christ l'a sauvé alors qu'il était face à l'enfer. Après avoir donné sa vie à Christ, John a rejoint Times Square Church à New York. Il a été formé par le pasteur David Wilkinson jusqu'à la mort du pasteur Wilkinson en 2011. John est maintenant un évangéliste pour Christ. Il voyage à travers le monde afin de prêcher et d'exposer les œuvres de Satan. Oui, pour finir, est-ce que vous savez les cris qu'il a entendus? En enfer, Wilkinson en 2011. John est maintenant un évangéliste pour Christ. Il voyage à travers le monde afin de prêcher et d'exposer les œuvres de Satan. Oui, pour finir, est-ce que vous savez les cris qu'il a entendus en enfer? Il y a un enregistrement qui tourne sur Internet. Ils ont creusé et ils ont envoyé une sonde. Ils voulaient entendre le bruit des plaques, de la tectonique des plaques. Et ben, ils sont tombés sur les cris de l'enfer. Je vais vous passer l'enregistrement, j'espère que ça va vous réveiller. Là, nous allons entendre les cris de l'enfer. Vous serez même surpris. Écoutons. Revenez un peu là. Écoutez, vous allez écouter ça. Pour finir, est-ce que vous savez les cris qu'il a entendus en enfer? Il y a un enregistrement qui tourne sur Internet. Ils ont creusé et ils ont envoyé une sonde. Ils voulaient entendre le bruit des plaques, de la tectonique des plaques. Et ben, ils sont tombés sur les cris de l'enfer. Je vais vous passer l'enregistrement, j'espère que ça va vous réveiller.
Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo. Répondons-nous. Répondons-nous. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. Devant Dieu, devant les hommes, pardonne-moi mes péchés. Et abonnez-vous, ne manquez pas la prochaine vidéo, mes frères et sœurs. Et c'est grave. Sans doute, nous allons y revenir.